현재 가장 논란이 되는 부분이요. 양도소득세 중과세 기준 항목인데, 저희 데일리 토픽에서는요, 이번 한주 동안 이 쟁점에 대해, 이번 한주 동안 이 쟁점에 대해 각 분야 전문가들을 모셔놓고 심도 깊은 대화를 C'était généré les meilleurs moments de crier Allahu Akbar. Mais non, mais c'est même plus drôle. Ce qui est chiant, c'est que non, mais avant, on riyait du Allahu Akbar dans les films. Maintenant, on va plus pouvoir en rire parce qu'il nous a plombé la gueule. On va faire cette émission, hein. On va pas se laisser abattre, comme dirait l'autre. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cet OP frisson spécial. Après les fêtes, on se prend la tête. Et ouais, faut bien le reconnaître, entre les résolutions pérafes qui durent 2 jours, le retour au taf arculon et le no man's land du cinoche de genre typique de la période, c'est en général le meilleur moment pour broyer du noir. Qui plus est, quand 3 teubés au QI digne d'une otarie défoncée à la colle, et encore, c'est méchant pour les otaries, choisissent le même moment pour mitrailler tout le monde et faire exploser les ventes de l'exomile. C'est quand même une gueule de bois magnifique ce mois de janvier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mois de janvier comme ça. Mais ce que je trouve génial, c'est la façon dont tout le monde était complètement apathique. Et là, tout le monde est complètement fou. C'est-à-dire, une fois que tu as passé la très brève phase d'indignation, les gens deviennent fous. Mais littéralement. Mais ne broyons pas du noir, mes braves, puisque c'est aussi le moment que choisissent nos distributeurs préférés pour refourguer en salle et en DVD des films auxquels ils ne croient qu'à moitié, qu'ils leur filent l'archouma ou qu'ils imaginent cuisant échec avant même d'essayer de les vendre. Ça, c'est toujours un peu caractéristique du mois de janvier. Que les choses soient claires, c'est morne pleine. C'est le truc où les gens ne vont pas au cinéma, ils ont trop claqué de la thune à Noël et tout ce que tu veux, ils y vont pas. Hein, et c'est là où, bon, alors, bon, il a gagné plein de prix, mais de toute façon, qui c'est qui va aller voir un truc avec des lutteurs olympiques ou qui c'est qui va aller voir un film chinois d'une province de Mekouï, donc, alors c'est de bon ton, magnifique. Superbe chef-d'œuvre, Ours d'or, tout ça, un grand moment sur le cinéma, magistral, tous les films devraient être comme ça. Puis, moi ça vite fait là parce que je vais faire 2,50 francs avec quoi. And I don't like to see you being low. Et là où c'est drôle, c'est qu'évidemment on y trouve de tout, comme dans le dernier bac DVD discount de chez Carouf. Du film de genre chiant qui ne sert qu'à satisfaire l'ego de snobinard intellectuel, du drame célébré en festival mais totalement oublié depuis, ou encore des petits inédits très cool mais qui n'ont tellement rien de hype qu'on va quand même pas se casser le cul à faire de la promo. 준비까지는 해줘야죠. 무슨 준비를? Comme d'habitude, nous allons donc commencer par un film qui n'a strictement rien à voir, enfin un petit peu quand même, avec tout ce que je viens de dire. Do you have any idea why I asked you to come here today? No. No. Well, Mark, do you have any idea who I am? No. On attaque cette émission avec la sortie en salle de... Attention, sonnez les trompettes, c'est du méga lourd, le prix de la mise en scène à Cannes l'année dernière. Youhou ! Je parle bien sûr de Foxcatcher, 3e film de Bennett Miller, qui a pour lui à peu près tout ce qu'il fallait pour gagner un truc à Cannes. This is everything that we've ever wanted. Une histoire vraie qui finit mal, des comiques à contre-emploi, l'acteur chouchou des hipsters, un petit peu de pose lourde d'un symbole psychanalytique, et surtout, le message emballé pesé avec surlignage pour être bien sûr qu'on n'ait pas d'effort à faire. Est-ce que le film est pour autant une purge? Non, heureusement, et c'est même pour une bonne partie de toutes ces raisons qu'il est réussi. Paradoxal, mais vrai. What's he get out of all this? Monsieur Dupont? America, winning. You winning, we talked about you. Me winning. Okay. What are you thinking about, Dave? En fait, toute l'histoire du film qui est terrible, hein, c'est comment ce milliardaire fou qui en réalité veut montrer à sa mère qui est elle, la patronne de cette grande dynastie, bah, qu'il va être capable de faire quelque chose d'important pour l'Amérique, si tu veux, à travers un sport que sa mère considère comme minable, va carrément financer toute l'équipe des prochains Jeux Olympiques de Séoul. Donc il est allé chercher les deux anciens médaillés, les deux frères, qui s'appellent les frères Schultz, ça c'est l'histoire vraie, il est allé les chercher
cachets, il les a entraînés dans sa magnifique demeure en Pennsylvanie, et il va y avoir tout un truc de perversion psychologique où chacun va avoir une tentative de pouvoir sur l'autre. Le jeune Matt Schultz va idolâtrer soudain ce philanthrope qui est complètement cyclotimique et qui va être dans un rapport d'esclavagisme, d'amitié qui devient l'esclavagisme. Donc il y a tout un truc qui dérive jusqu'à la tragédie finale qui est connue, où le milliardaire devient complètement fou à un moment donné et va carrément tuer le frère, le lutteur, donc Mark Ruffalo dans le film. I will be relying on you to a great extent. Bon, perso, Foxcatcher m'intriguait moins parce qu'il avait titillé les coronesses du jury canois que par sa nature improbable. Parce que franchement, caster Channing Tatum et Steve Carell dans une histoire de lutteur olympique financée par un milliardaire philanthrope et passablement fucked up, ça sentait quand même bon le driving Miss Daisy des vestiaires. Foxcatcher, c'est vraiment la première fois que je tombe sur ce Bennett Miller, c'est la première fois que je vois ce film-là, on m'a dit « Non, il faut que tu le vois, ça va être... » J'étais là, moi, des lutteurs olympiques, Channing Tatum, enfin, moi, j'ai jamais été fan, tu vois, donc j'avais beaucoup de mal. Et pourtant, très vite, on est non seulement captivé par une histoire simple, limite anecdotique, par une authenticité de l'univers dépeint qui témoigne d'un souci du détail hallucinant, par des acteurs qui m'ont littéralement bluffé, en particulier un Channing Tatum qui n'a jamais utilisé son physique de la sorte, la posture de Channing Tatum qui est une espèce de morceau de barbac comme ça, qui a une gueule qui est introvertie, Mark Ruffalo, c'est ça que j'appelle le chouchou des hipsters, mais Mark Ruffalo qui m'a troué le cul jusqu'à ce que je découvre qu'en fait il a fait... Pendant ses 20 ans d'études, gamin, il a fait de la lutte. Donc le mec, il avait déjà cette propension-là, mais la façon dont ça imprègne tout, dans les corps qui se parlent, la façon dont ils se touchent, la façon dont ils s'adressent à eux, et puis la façon dont le mec, il filme la lutte, qui est toujours trouvé le sport ridicule personnellement, et tout d'un coup, je trouvais que c'est une classe hallucinante, mais surtout, par le talent de son metteur en scène, qui réussit au détour de quelques plans brillamment évocateurs, de toucher à la grande histoire à travers la petite sans qu'on le voie venir. Ce qui était déjà le cas du Stratège, son précédent et meilleur film jusque-là, qui se servait du baseball comme socle de réflexion sur la mythologie américaine. Le baseball n'est pas un mythe américain, mais le baseball est la traduction dans la société américaine d'énormément de choses. C'est ce qui soude très souvent le lien familial, c'est les enfants qu'on amène au stade de baseball, c'est toute la ritualisation de ça, c'est complètement constitutif de cette identité américaine. Et le Stratège, je le trouve brillantissime parce qu'en restant sur ça, sans jamais le dire, sans jamais appuyer dessus, le mec il te parle de beaucoup plus vaste que ça. Il te parle de comment on pense dans ce pays, comment on croit dans ce pays, à quoi on se rattache dans ce pays, qu'est-ce qui corrompt nos idéaux, qu'est-ce qui... Et c'est ce qu'il réussit à faire dans Foxcatcher. I am giving them a dream and I am giving America hope. La réussite de ce regard sur son pays éclipse du coup la dimension psychologique du film qui se voudrait au niveau d'un David O. Russell, mais qui est bien trop lourde d'artifices poseurs et d'explicationnites aigus pour lui arriver à la cheville. Outre un dernier tiers tragique, presque déconnecté du reste, que l'histoire vraie obligeait, mais que visiblement le réalisateur ne savait pas comment amener, c'est bien les articulations clés des enjeux relationnels qui semblent grossières et qui amoindrissent du coup des personnages que leur brillante exposition annonçait plus complexes. Le piège du sens donné clé en main que Bennett Miller avait pourtant totalement évité dans Le Stratège. Il va te faire des trucs qui sont too much caricaturaux, c'est-à-dire tu as une scène avec la mère où tu vas comprendre que le fils milliardaire, bon, tu vois tout de suite, tu dis ok, là, toi t'as été élevé dans un truc, ça t'a rendu totalement fucked up, t'as besoin de prouver quelque chose que tu n'arriveras jamais à prouver, on l'a compris. Puis il va faire une scène où les catcheurs sont en train de s'entraîner, c'est Mark Ruffalo qui les entraîne, et puis là il y a la mère qui arrive en fauteuil roulant pour venir voir ce qui se passe, et évidemment Steve Carell dégage Mark Ruffalo et fait comme s'il était le coach. Donc il dit au mec viens, tout ça, donc il se ridiculise devant évidemment l'équipe qu'il est en train de financer, avec la mère qui le regarde et puis qui en a rien à foutre, qui se barre, et lui qui fait la tête triste parce que ma mère... C'est lourd. Mais si le plus visible, c'est-à-dire l'intrigue, n'est pas forcément le plus intéressant, tout ce qui se trame en toile de fond, dans les recoins des cadres, dans les regards, dans la scénographie de la lutte, comme dans le poids du passé qui anime chaque décor, est absolument fascinant et révèle un très grand talent de metteur en scène. Donc c'est bien,
Et effectivement, pour une fois, je suis totalement d'accord avec le jury de Cannes, parce que s'il y a bien un prix que le film méritait, c'était celui de la mise en scène. Parce que c'est la mise en scène qui fait tout le film, plus les acteurs. I'm glad you have your trophy. It can go in the trophy room, not in the Rosemont case. On continue cette émission avec la sortie en salle de... Attention, sonnez les trompettes, c'est du méga lourd. L'Ours d'Or au dernier festival de Berlin. Youhou, bis repetita. Je parle bien sûr de Black Coal. J'ai pas... Ah mais si, j'ai la jaquette. Je parle bien sûr de Black Coal, troisième film de Yinan Diao, qui a pour lui à peu près tout ce qu'il fallait pour gagner un truc à Berlin. Un contexte minier qui suinte la question sociale, de belles références à John Huston et Orson Welles, citées par le réalisateur lui-même, pour être bien sûr que ça soit repris dans la presse, de la pose lourde en symbole psychanalytique, des personnages qui ne parlent pas parce que j'aime beaucoup l'intimité du silence de deux êtres esselés qui se désirent sans se désirer. Et surtout, une histoire cryptique, parce que sinon ce serait trop simple. Le film est-il pour autant une purge irregardable? Non, heureusement, mais ça ne l'empêche pas d'être chiant et de péter plus haut que son cul. Bon là j'avoue, je me suis fait un petit peu fucker. Parce qu'en scrutant les miettes des sorties DVD à la recherche d'un film original à se mettre sous le pif, j'ai cru qu'une histoire de tueur en série dans une province chinoise, encensée par la critique et célébrée dans moult festivals, allait exciter mes coronets. Monumentale erreur. Pour le coup, je me suis limite endormi et pour tout dire rapidement agacé devant les poncifs référentiels visuels et narratifs d'un cinoche autorisant et nombriliste qui ne se rend même plus compte qu'à citer les mêmes modèles, à se construire et à se filmer avec le même prêt-à-penser crypto-subversif, il devient plus codé que les codes qu'il prétend transcender. Tu regardes les critiques sur le film, elles sont à 90% unanimes. Alors, j'ai peut-être totalement tort. Mais j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, quelqu'un qui vienne m'expliquer la réelle singularité de Black Coal dans l'univers des films d'auteur ou alors, des films à sens. On en arrive à tout voir venir, certainement pas en termes d'intrigue, mais en termes de modèle de film aussi taylorisé qu'une production design chez Marvel. Mais au moins chez Marvel, on le sait, c'est du business, c'est cynique. Ça me fait marrer tous ces mecs qui chient sur les machines hollywoodiennes, qui chient sur les blockbusters, ah, c'est taylorisé, ah, c'est toujours pareil, ah, c'est ça, et puis c'est les mêmes clichetons, et c'est les mêmes conneries, et tout ça. Mais vous faites pareil. Vous faites pareil, mec. Ta lumière, là, c'est la même que dans Wong Kar-wai, que t'as vu dans tel truc, que t'as vu dans tel truc. Et j'en ai vu des films comme ça qui sont réussis. Pas ça le problème, il y en a plein qui sont réussis. Mais les mecs, ils arrivent, ils ont vraiment une singularité. Ici, ce qui suscite rapidement l'agacement, c'est l'évidence avec laquelle le réalisateur se persuade que ce qu'il fait lui appartient, alors que la même mécanique conceptuelle se retrouve dans toutes ces fausses mélopées expérimentales dont je ferai bouffer par l'anus le prétendu Vagalam. La même façon dont les couples s'étreignent, se repoussent, mais s'étreignent encore, ou pas, mais peut-être, on ne sait pas. La même façon de dire « lâche-moi, mais je veux que tu m'embrasses », le même plan du couple qui regarde à travers la fenêtre, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est toujours profond de regarder par la fenêtre. C'est pas parce qu'on vous filme un truc pendant 2h30 que c'est pas de la merde. Vous pouvez pas tout justifier par du contemplatif. Parce que je suis d'accord, il y a des très grands films contemplatifs. Il y a des très grands films d'auteur. Et il faut aussi admettre que même dans le film d'auteur, ben, il y a des séries B, il y a des grosses séries Z. Il y a de la bousasse d'auteur aussi. Ah, nous, on a notre bousasse dans le film de genre. On a Steven. On a notre bousasse. On a la bousasse, on a la moyenne bousasse. Les Fast and Furious, hein. Après, on a des bonnes bousasses, tu vois. Et puis après, on a des grands films, de genre, tu vois. Ben, c'est pareil dans le cinéma d'auteur. Voilà. Moi, je le mettrais pas série Z, Black Coal. Série B. La même façon de produire des ellipses incompréhensibles, ça laisse la place à n'importe quelle interprétation, et puis si tu comprends pas, c'est que t'es con. La même façon de faire jaillir la violence en plan séquence, mais faut qu'elle témoigne de son absurdité, ou qu'elle soit graphique. «
C'est bon la rupture de ton, le décalage, ça prouve qu'on a de l'humour. Black Cole n'est pas irregardable parce qu'effectivement, certains de ses plans sont beaux. Il ne purerait pas le snobisme d'un entre-soi arty et festivalier s'il était pour le coup réellement singulier. Sauf que dans ce petit monde du cinéma concerné, qui croit à la hauteur de sa pensée comme à son exception culturelle, les sous-produits se comptent aussi par milliers. Pour finir cette émission, ça soulage, on ne se force pas à faire dans la finesse. Au contraire, on n'a pas de thune mais de l'envie et on fonce dans le tas sans avoir peur de mêler le spectacle au discours, même si parfois c'est complètement à côté de la plaque. Vous ne l'aurez pas du tout compris, mais je parle de The Terror Live, ou Live, je ne sais pas, un petit inédit coréen de Kim Byung-woo dont j'ignorais l'existence il y a encore deux jours, mais qui a cet énorme mérite que le truc pompeux chroniqué juste avant n'aura jamais, celui de nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin, malgré ses défauts. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même la base. J'ai une switch qui est là, mais il y a un problème. Le problème est quoi ? 여보세요? Que les choses soient claires, The Terror Live n'est ni un film d'horreur, ni un sous-Godzilla made in Séoul. Non, c'est un huis clos un peu chipouille mais ultra énergique qui se déroule intégralement dans une station de radio. Le concept est simple, le personnage principal est un vrai connard. Ah, il fait que c'est un mal tout roqué manné. Ancienne gloire de la télé et désormais animateur au rabais, le connard en question reçoit le coup de fil d'un terroriste prêt à faire péter des bombes dans toute la ville. Mais plutôt que d'appeler les flics, le connard voilà l'occasion de relancer sa carrière. Bref, on est entre d'un côté Fun Game ou Pontypool et de l'autre Breaking News, entre le thriller dont 2 mètres carrés et la réflexion râle et pâquerette sur la manipulation des médias et l'aliénation dangereuse de ses apôtres. Vous vous rappelez Pontypool ? Ouais, c'est ça, personne ne se rappelle de ce film. C'est typiquement petit film que j'aimais bien, mais c'était dans la longue digression sur les zombies. Les mecs, c'était pareil. Une station de radio dans un bled paumé sous une tempête, avec un host qui découvrait, grosso modo, de l'intérieur de sa station, une épidémie de zomblards. Mais le film ne quittait jamais la station du début jusqu'à la fin. Le tout avec une tonalité over-sérieuse, mais une mise en scène roublarde au possible qui rend l'ensemble aussi incohérent que jouissif. Il suffit de voir la scène où le chef de la police, un vrai connard lui aussi, débarque au studio et insulte en direct le terroriste pour se taper une barre de rire et cesser de chercher une once de crédibilité dans la chose. Énorme qualité du film, elle est invisible, c'est même pas sa réelle qui est brillante, parce que la réelle elle est typiquement de la réelle de petit budget. C'est-à-dire, on va au plus efficace, on va fondamentalement au plus... Mais le mec réussit à te faire une heure et demie sans que tu t'emmerdes une seconde. Le montage est en béton armé. Les cadres qui changent, qui évoluent, et tout, tu ne les sens pas. Et pourtant, le mec te donne le sentiment que c'est toujours différent, que c'est toujours extrêmement vivant. C'est pour ça que je m'arrête en rien sur les discours du film, parce que ce soit les discours sur les terroristes, ou que ce soit le discours sur la télé qui aliène, la manipulation des médias, ça c'est tellement aussi à leur niveau, mais ras des pâquerettes. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire, Au final, même si on s'en fout de voir les bombes exploser, on te fait quand même péter une tour qui s'écroule sur celle de la radio. Quant à l'immoralité jouissive dont le film semble procéder, là c'est clair. Tous les persos du film sont des connards, sauf le terroriste. Car comme d'habitude dans le cinéma coréen et japonais, l'horreur dépeinte, aussi ignoble soit-elle, a toujours pour cause un trauma familial oublié qu'il convient de refaire émerger pour faire la paix avec soi-même. Et dans ces courts instants, comme ici les motivations du terroriste, le cinéma coréen est doué pour nous serrer la gorge et nous culpabiliser avec force trémolo sur les barres de rire qu'on s'est tapées un peu plus tôt. C'est un film où t'as aucune raison d'être touché, t'as aucune raison d'être bouleversé, c'est un peu du fun le film, c'est un thriller huis clos, rythmique, bam 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 bam. Mais à la fin, quand tu découvres le terroriste,
et que la pauvre raison, t'es indigné, parce que la raison qui te donne, tu dis, bah ouais, c'est dégueulasse. Il a eu raison de faire péter 14 immeubles, tu vois. Et moi, ça me fait délirer, parce que les mecs, ils vont jusqu'au bout de leur truc. C'est des malades, en fait, les coins. Du cinéma sadique, donc, presque plus subversif qu'on ne le croit, et franchement salvateur face à la pelletée de mièvrerie insupportable qu'on se farcit ici-bas. Ah, opération frisson du mois de janvier, triste, morne, est terminée. Je rappelle vite, alors give me the DVD, si vous pouvez motherfucker, donc je rappelle vite fait que si vous regardez OP Frisson en général, vous pouvez éviter ce truc-là. Hein, Foxcatcher qui est vraiment super intéressant, de toute façon, il n'y a rien d'autre à aller voir en cinéma. Et puis The Terror Live, c'est si vous avez écumé tous les inédits DVD que vous n'avez pas quoi vous mettre sous la dent, vous pouvez toujours vous taper ce petit inédit coréen qui est ma foi fort sympatoche. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le mois de mon anniversaire, et j'espère qu'il y aura des bons films. Hein, alors Jupiter Ascending, je sais pas si on le verra, mais en tout cas j'espère qu'il y aura de bonnes choses, mais je me garde moi-même la surprise. Allez, au mois prochain, ciao. Ah bah oui. Bah quoi, c'est le mois de mon anniversaire. Ah bah ouais, ah bah c'est important non. De noter quand même. Mais c'est pas le mois de mon anniversaire, genre le mois de mon anniversaire. Non, ça veut dire que j'ai une émission par mois, donc ça va être celle de mon anniversaire, donc je voudrais qu'il y ait des bons films, c'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Oh. Mais esprit mal placé, hein. Ouais, c'est ça, ça raconte. Mais ouais, c'est ça, je m'en raconte grave. Bon, allez. Bisous, salut.